Marina qui est venue nous faire un bisou entre deux répétitions. Merci. Marina. Merci Marina d'être avec nous. Merci à vous. On t'a reçu il n'y a pas très très longtemps. Voilà. Dans le 17-20, c'est un véritable habitué. Ouais, c'est ça, tu connais déjà les, tu nous connais un petit peu, quoi, bah on va dire. On va rappeler un petit peu ton actualité, l'album Fearless, donc dans les bacs. Tu vas en tourner un peu partout en France. Grosse tournée qui s'annonce hein, quand même, hein. Ça va être sportif. Bah c'est une première partie de tournée, donc on ne fait pas plus de 13 dates en cette fin d'année. Bon, c'est après que ça va reprendre bien intensif. Il y a un passage à l'Olympia notamment. Oui, en avril, donc dans la deuxième partie. Le 15 avril, absolument. Et l'Olympia, c'est quand même la salle mythique par excellence, j'imagine qu'on doit être un peu pépette quand même un petit peu avant de... Pas encore, pour l'instant, je suis plus dans... Oh là là, je suis trop contente. Bon, parfait, dans l'euphorie, on va dire. Voilà, c'est ça. Donc Marina, c'est ton premier concert pour la tolérance, en fait. Ouais. Ça existe depuis 10 ans, cet événement. Ça représente quoi pour toi de participer à cet événement précisément? Alors, pour moi, en tout cas, le terme tolérance, je pense qu'on est beaucoup à répondre de cette façon, mais c'est vrai que... Enfin, on est dans un monde aujourd'hui où c'est un petit peu, c'est tendu de différentes sortes, et puis c'est un petit peu compliqué entre tous, et on a un petit peu de mal à s'accepter, je trouve aussi les uns les autres. Donc ce serait bien si c'était un peu plus, si les choses étaient un peu plus équitables, et si les gens pouvaient, je sais pas, simplement, j'en sais rien, juste être plus tolérant. Je ne vais pas utiliser exactement ce mot, vraiment, voilà, mieux s'accepter entre nous. Je pense peu importe que les différences, peu importe ce qu'on est. Je pense que c'est vraiment ce qu'on a perdu. Hein. Ouais, on est bien d'accord. On a reçu Sophie Tapie tout à l'heure qui nous a dit qu'elle était très contente de venir aussi parce que tu étais là. Ouais. Elle a dit que vous t'excitez tout voilà, le temps. Même, que vous étiez très copine et que tu étais sa petite sœur. Ah, c'est chou, c'est mignon. Ouais, c'est une personne que tu aimes beaucoup également. Oui, je l'apprécie beaucoup. Imagine, elle dit non, pas du tout. En fait, je ne la connais pas, mais qui est cette personne? Mais qui est-elle? Non, je l'aime beaucoup. Elle adore. Bon, vous parfait. Tu t'es retrouvée souvent sur des plateaux multi-artistes comme ça, en tournée? Pas excessivement souvent, non, mais j'en ai fait quand même pas mal, oui, cette année. Ah ouais, et c'est plutôt quelque chose que tu apprécies? Bah oui, parce que bon, ça permet déjà de se faire les dents sur scène, de découvrir un petit peu qui on est sur scène, et puis de faire plusieurs rencontres, de toucher un peu à tout, de voir tous les publics différents, de différents endroits, donc ça nous apprend beaucoup. Ouais. Il y a des artistes qui sont donc avec nous sur ce fameux concert de la tolérance, par exemple Vianney, on a Chaim qui sera là, on a Chimène, on a énormément de personnes, absolument. Est-ce qu'il y a des artistes comme ça avec qui tu aimerais éventuellement collaborer, peut-être un jour, faire d'autres choses, essayer quelques... Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu aimerais peut-être faire avec eux? Malheureusement pas dans ceux que vous avez cités, non, mais c'est pas une chose à laquelle je pense forcément. C'est vrai que par exemple sur l'album, les collaborations qu'il y a pu y avoir, c'était vraiment dernière minute et c'était assez incroyable, j'ai envie de dire, parce que ça venait vraiment de très haut et ça m'a un peu choquée sur le coup, mais je les ai pas demandé, j'y ai pas pensé, je les ai pas du tout programmé, donc c'est vrai que moi aujourd'hui penser à une collaboration, c'est... Non, ça ne traverse pas l'esprit, là. Pour l'instant, on trace son chemin, on fait ce qu'on a à faire, droit devant. On est au Maroc, hein, donc à Agadir au Maroc. Est-ce que c'est un pays où tu es déjà venu? Non, jamais. C'est la première fois? Ouais, c'est la première fois. Alors, c'est dommage, parce que c'est vrai que c'est rapide. Ouais. Mais moi, tu vas avoir le temps de visiter un petit peu, de balader? Non, pas du tout. Bah, dommage. Mais à penser, franchement, fais-moi confiance, à penser, il faut vraiment que tu reviennes dans ce pays. Parce que les gens sont vraiment, on parlait de tolérance, mais les gens sont vraiment absolument adorables, accueillants, tolérants, justement. Donc je t'invite à un de ces jours quand tu veux. Voilà. Merci beaucoup. En attendant, on te laisse retourner aux tes répétitions avant de gagner la scène. Les répétitions sont faites là déjà, ça y est? Oui. C'est bien, ça se prépare. Un peu de repos alors. Ouais, donc, tu vas te reposer, un peu de détente. Ça marche. Plein de bisous, merci beaucoup encore d'être passé sur le plateau 17-20. Merci beaucoup. Merci Marina.